alors, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? De quoi? Elle t'a quitté? Ah merde. Et tu es triste, je suppose. Ouais, ben oui, évidemment. Eh ben, mon ami, va falloir s'accrocher à la vie. Ah ben, tu vas rejoindre la famille des lavettes, des loques, des torchons, des chiffons, enfin, tout ce qu'on utilise quand quelque chose est dégueulasse, quoi. Mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Elle t'a dit pourquoi c'était fini, au moins? Non? Oh putain, ça c'est encore pire. Tu vas vraiment souffrir. Enfin non, 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 ça va aller, ça va aller. Mais je veux dire, c'est pas très sympa de sa part, quoi. Non, arrête de pleurer par contre, c'est très gênant. Ben je suis désolé, je sais jamais quoi dire aux gens qui chialent. Tu veux un mouchoir, une danette, un bilboquet, j'en sais rien, moi. Et tu te mouches souvent comme ça dans ta manche ou c'est juste aujourd'hui? Non, je demande ça parce que ça pourrait être un premier élément de réponse quant à la raison de son départ, quoi. On n'a pas spécialement envie de faire sa vie avec quelqu'un qui vide le contenu de son nez dans du tissu, quoi. Enfin, en l'occurrence, ton pull. Non, je dis ça comme ça, moi. Réfléchis tout haut, dépose ce couteau. Mais les ruptures et les chagrins d'amour, c'est vraiment horrible. Oh mon Dieu, tu vas être chiant, tu te rends pas compte comme tu vas nous saouler. Tu vas pleurer pour un rien, regarder l'écran de ton téléphone toutes les 3 secondes, t'imaginer qu'elle a déjà rencontré quelqu'un, et que ce quelqu'un fait tout beaucoup mieux que toi. Ce qui est possible, hein, d'ailleurs, on n'en sait rien. Et le pire de tout, c'est que le moindre détail va te faire penser à elle. Ah ben tu vas croiser une fourchette, tu vas chialer, hein, c'est un truc de fou. Bref, tu vas foutre en l'air mes 6 prochains mois. Mais y a pas de problème, hein, je suis là pour ça. C'est ça le rôle des meilleurs amis. Réparer les morceaux cassé, d'une relation brisée parce que l'autre est parti sans se justifier. Et puis, faut voir le côté positif des choses. Ce que je veux dire, c'est que vous allez... Ça va, toi? Bon, par contre, maintenant, faut qu'on établisse une stratégie. Ben quoi? Tu crois quand même pas qu'on va se laisser faire? T'as en face de toi le spécialiste pour foutre sa vie en l'air. Elle va regretter son apparition sur Terre. Tout d'abord, je veux que tu la supprimes de partout. Tu dois disparaître de son champ d'action pour stimuler son imagination et qu'elle commence à péter des plombs. Je veux qu'elle se demande tous les jours ce que tu deviens, mais qu'elle n'ait pas accès aux informations dont elle a besoin pour savoir si tu vas bien. Tu comprends? Non, tu me remercieras plus tard. Je ne fais que mon travail. Du coup, elle va venir vers moi pour voir si tu vas mieux, et à ce moment-là, on fera semblant que t'es heureux. Ben enfin, pourquoi tu pleures? T'es con ou quoi? Arrête de pleurer, je vais pleurer avec toi. Mais non, enfin, tu lui envoies pas de message. Et on s'en fout de ses affaires, t'as qu'à les brûler, ça va te réchauffer. Mais je m'en contrebalance que t'aimais bien sa famille. On est en guerre, tu comprends? En guerre. Ou alors, on opte pour la stratégie de l'oubli, et je t'emmène en soirée rencontrer des filles. Mais tu vas les comparer, et réaliser qu'elles sont moins bien que celles qui t'a quitté, et puis tu vomiras sur mes pieds, en criant que ta vie est ratée, et tu vas foutre en l'air ma soirée. Ben, tu vas t'en sortir, Oui et non, oui et non. Pour le moment, non, mais y'a pas mort d'homme, enfin pas encore. Calme-toi, respire et dépose cette pioche, c'est dangereux. Et prends un mouchoir, bon sang de bonsoir, ton pull est vert kaki alors qu'il était noir.